Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour, Monsieur Matin. Il est exactement 7 heures. Monsieur a bien dormi? Qu'est-ce que... Mais je suis le robot majordome de Monsieur Monsieur. Ah, je suis qui, moi, aujourd'hui? Voyons, monsieur qui ne connaît pas Monsieur Martin Matin en ce monde. Au moins, j'ai pas de tentacules ou de nez en trompette aujourd'hui. Bon appétit, monsieur. Merci. Bonjour, Bonjour Martin. Un peu de chocolat? Oh! Écoute ça, fiston. L'annonce du lancement d'un nouveau produit, le chocofruit, a fait grimper la valeur de la bombec internationale. Son PDG, Martin Matin, devient ainsi la 7e fortune mondiale. Non mais tu te rends compte? Milliardaire à ton âge. Oh, moi, les milliards, à l'école, j'ai déjà des problèmes dès qu'on dépasse la table de multiplication des 6, alors... Ouah, le costard! T'es quoi aujourd'hui? Je suis PDG, je te ferai dire. PDG, mais c'est quoi ce truc? À vrai dire, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas le tout, il y a école. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, je suis aussi milliardaire. Milliardaire? Ben dis donc. À l'école, s'il vous plaît. Martin, si on passait prendre Roxane au passage, c'est sûr que ça lui ferait une sacrée surprise. PDG? Bah, ça veut dire président, directeur général. Bref, que tu diriges tout. En gros, t'es le patron de la bombec internationale, quoi. Et milliardaire en plus. Super ta transformation d'aujourd'hui, Martin. Allez, les amis, on trinque. Chin. Je me demande comment Grain de sel va réagir. Ça devrait passer, t'es quand même plus présentable qu'en pirate ou en martien. N'empêche, je préférais ne pas me faire remarquer. Oh! Oh. Comment? À la bombec de toute urgence. Désolée, c'est impossible, j'ai un contrôle de grammaire ce matin. Oh, j'ai bien fait de lire le journal avant de venir à l'école, mon cher Martin. À votre avis, ce serait le moment d'investir mes économies dans la bombec? Allô, c'est vous du filou? Une question de vie ou de mort pour la bombec, vous dites? C'est que je suis très embarrassée, j'ai un contrôle de grammaire. Écoutez, mon cher Martin, il faut d'abord sauver la bombec. Concernant ce contrôle de grammaire, je me fais fort d'arranger ça avec Cornichon, notre directeur, pour vous et vos deux amis. Allez, vous pouvez y aller. Excusez-moi, monsieur le secrétaire général du Filou et le conseil de direction attendent monsieur Martin pour la réunion d'urgence dans la salle de conférence. Je vous suis avec mon assistante personnelle et... Ah non, 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 Martin, je préfère rester là. Je sens que ça va être d'un barbant cette réunion. Comme tu veux, gros mot. La parole est à Ambroise Dufilou, notre secrétaire général. Mesdames, messieurs, vous le savez, notre chocofruit doit faire entrer l'industrie de la confiserie dans l'ère du bio-énergétique, nous permettant de mettre hors course notre grand concurrent, la Grignotou. Au fait, Dufilou, on sait tout ça. J'y viens, messieurs. Vous le savez aussi, une formidable campagne de pub pour chocofruit doit bientôt commencer. Mais pour qu'elle soit un succès, il faut bien sûr que nous puissions produire chocofruit dans les délais. Marrant. Le patron peut espionner tout le monde. Ah, au fait, on peut avoir le son si ça se trouve. C'est donc une catastrophe que je dois vous annoncer. En effet, le coffre contenant la formule secrète de fabrication du chocofruit a été forcé.
Et tous les documents confidentiels ont disparu. Mince, je crois que j'ai gaffé. Tout le monde a entendu. Chacun comprend bien sûr que cette nouvelle doit rester absolument secrète. Notre PDG va maintenant... Vite, une équipe. Ouais, un scoop sensationnel. Rassurez-vous, mesdames et messieurs. Il y a une erreur d'interprétation. Le chocofruit sera bien mis sur le marché à la date prévue. Mais pourtant... Désolé, je n'ai rien à ajouter. À bientôt pour déguster le chocofruit. Il faut que je vous révèle un secret que je suis seule à connaître. Mister Rebond est en fait mon responsable du contre-espionnage industriel. Garçon d'ascenseur, ce n'est qu'une couverture. Hey, c'est comme au Cinoche. J'adore les films d'espionnage. Au fait, Martin, je crois que j'ai fait une boulette. Au contraire, gros mot, cette publicité involontaire pourrait être utile finalement. En fait, je suis sûre que l'auteur du vol est à chercher au sommet de la direction de la Bombec et qu'il espionne depuis longtemps pour le compte de Richard Crochu, le PDG de la firme concurrente Grignotou. D'ailleurs, le mot que m'a fait passer Mister Rebond semble le confirmer. C'était à l'étage de la direction. J'ai surpris un peu de conversation téléphonique, mais je ne sais pas qui parlait. Il était question d'un rendez-vous avec un éléphant rose. Sans doute un code. Ah, je crois qu'un petit coup de pouce pourrait faire sortir le loup du bois. Vous m'avez demandé, Monsieur Matin. En effet, du filou. Après réflexion, j'ai conclu que nous devons récupérer la formule du chocofruit à n'importe quel prix. À n'importe quel prix? Mais que voulez-vous dire? C'est simple, je vous charge de répandre le bruit que je suis prêt à faire au voleur une meilleure offre que son commanditaire pour lui racheter la formule. Vous pouvez compter sur moi, Monsieur Matin. Merci. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si mon intuition est juste. Monsieur Martin Matin a formellement démenti ces rumeurs. Un doute demeure, nous continuons d'enquêter. Non, 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 cette publicité n'était pas prévue, il faut que j'accélère les choses. Allô? Oui, oui, c'est qui vous savez? Écoutez, ce tapage des médias est dangereux, je veux la formule tout de suite. C'est que les enchères ont monté, il va falloir augmenter sérieusement ma prime. Escroc! Vous profitez de la situation. Mais bon, d'accord, rendez-vous dans une heure à l'endroit habituel. Et voilà, c'était bien du filou. Comment tu peux savoir ça? T'as lu dans le marc de café ou quoi? Mais non, simple truc d'espionnage, gros mot. Mister Rebond a glissé une puce électronique dans une poche de du filou. Une puce que cet appareil peut détecter et suivre dès qu'elle sort du siège de la Bombec. Et maintenant, il ne reste plus qu'à filer notre homme. Super, on en plein Cinoche. C'est une voiture de musée, ça. Je l'ai acheté à un ex-collègue qui partait à la retraite, un certain 009. C'est lui! Une voiture d'espion? Alors elle doit être bourrée de gadgets. Dites, monsieur, votre voiture, ses phares lancent des rétrofusées? Il y a un siège éjectable? Faites-nous voir, s'il vous plaît. Ah non, surtout pas. Il faudrait pas que du filou nous repère. Oh, mais de toute façon, je n'ai rien de tout ça. Par contre, j'ai une sirène de police à triple corps, un multiple gyrophare escamotable... Et puis quoi encore? Eh bien, par exemple, un canon à brouillard artificiel qui se commande avec ce petit levier-là. C'est ce qui s'appelle de la pollution, ça. Allez hop, je verbalise, moi. Ce déguisement tient chaud, mais ça en vaut la peine. Il a tourné, il va vers le parc. Garons-nous, apparemment la voiture s'est arrêtée dans ce parking. Vous, restez là, au cas où la voiture ressortirait. Nous, on va voir dans le parking. La puce du filou a dû la perdre. Ou alors il l'a découverte et s'en est débarrassé. Ah, oh, ça marchait trop bien. Si au moins on avait percé le code éléphant rose. Attendez, éléphant rose, c'est pas un code. Il y a un vrai éléphant rose sur un manège de la fête foraine. Je le sais, j'y suis allée. Roxane, t'es géniale. Mister Rebond, vous restez surveiller le parking. Nous, on va à la fête. Ouais. Attends.
attention, il faut surtout pas que du filou nous reconnaisse. Vous voyez ce que je vois? Des barbes à papa. C'est vraiment super de faire de l'espionnage pour un milliardaire. J'y comprends rien. Il n'y a ni du filou, ni Crochu. Ah, voilà Crochu. Je n'ai pas la formule sur moi, vous n'avez qu'à me suivre. D'accord, mais pas dans Tourloupe. On retourne au parking. Les documents ont dû rester dans la voiture. Tout est là. Seulement, je me dis qu'au prix convenu, je vous fais un cadeau. Ah non, cette fois, c'est trop. Je vous donnerai rien de plus. Moi, si. Je suis prêt à payer le prix. Voilà qui est intéressant. Mais à la réflexion, j'ai une bien meilleure idée, Monsieur Matin. Tu filou, parce que tu croyais que je t'avais pas reconnu. Peu importe, écoutez plutôt ma nouvelle idée. Je vous rends responsable de la disparition de la formule et deviens PDG de la Bombec à votre place. Et ce n'est pas Crochu qui va vous regretter. Vous criez victoire trop vite, du filou. Roxane, à toi de jouer. Tenez-vous prêt, rebond. Eh oui, pas de chance. J'ai enregistré toute la conversation. Oh. Ah, il faut détruire cet enregistrement. Laissez. La police. Filou. On les a bien eus, hein, gros mot. Comme prévu, ils ont pris ton Walkman pour un magnétophone. Et ils ont bien cru que la police arrivait, alors que j'ai seulement appelé Mister Rebond. Bloquez votre sirène, je veux pas le savoir. Je verbalise pour tapage diurne aggravé. Si, si, ma décision est définitive. Je cède toute ma fortune à mon personnel. Au revoir. Il va pas en profiter longtemps, ton personnel, parce que demain... Pas longtemps, c'est mieux que pas du tout. Martin, on t'aimait bien quand t'étais milliardaire, mais on t'aime encore plus quand tu l'es plus. Et maintenant, on retourne à l'école. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins c'est la même chose. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. L'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Va chercher. Tiens, bizarre cette tenue. Oh, et ça? Oh. Oh. Professeur Martin, ufologue diplômé. Ufologue, d'accord, mais c'est quoi un ufologue? Oh, ça n'est sûrement pas à toi que je vais apprendre que l'ufologie est l'étude scientifique des objets volants non identifiés, fiston. Ben non, évidemment. Quoique... Au fait, mon chéri, on a apporté ça pour toi ce matin. Un ennui, fiston? Non, c'est même plutôt marrant. Cette lettre m'annonce que je suis nommé directeur du musée d'ufologie qui ouvre aujourd'hui en ville. Diriger un musée à ton âge, c'est pas donné à tout le monde, fiston. C'est où ton musée? Une fois qu'on est en avance, on pourrait aller y jeter un œil. C'est génial, tu vas t'occuper de soucoupes volantes, d'extraterrestres. Peut-être même que tu vas rencontrer des martiens. Voilà, c'est ici. Merci, madame. Tenez vos tickets. Et toi, tu n'en as pas? Voyons, Roxane, c'est gratuit pour les ufologues. Oh, c'est impressionnant, tu trouves pas? Venez voir, une soucoupe volante. C'est une maquette exécutée d'après un témoignage visuel. Et là, des martiens.
Ce sont de simples mannequins. Il y en a d'autres par ici. Ces mannequins-là paraissent beaucoup plus rigolos. Bonjour les terriens, lui c'est Crouton, moi c'est Zeste. Nous arrivons tout droit de la planète Xanta 23. Nous venons faire un stage pizza sur Terre. Nous comptons sur toi, jeune Martin, car notre planète manque cruellement de ce succulent plat. Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis ufologue, pas pizzaiolo. Je connais une pizzeria au bout de la rue. Allez-y de ma part, Roberto Pizzicato. Le patron est un ami de mon père. Moi, je m'appelle Gromo. Merci Gromo, nous y allons de ce pas. À voir ton tour de taille, il est certain que c'est une bonne adresse que tu nous indiquais là, je ne terrien. Qu'est-ce qu'il a, mon tour de taille? Mississco! Le jeune et brillant professeur Martin a été nommé directeur du musée d'ufologie qui ouvre aujourd'hui dans notre ville. Nommé directeur, lui, alors que moi, malgré mes nombreuses lettres à l'académie, j'en suis toujours au même point. Bizarre, ce bruit semble venir de l'intérieur. Quelle est cette curieuse météorite, Martin? Ben, je sais pas exactement, il s'agit certainement d'un œuf. Quoi? Un œuf carré? Mais un œuf de quoi? Hein? Le musée d'ufologie? Ouh, il y a gros à parier que Martin doit y être, plutôt qu'à l'école. Et s'il y est, il va entendre parler de moi. Oh! Ça frappe de plus en plus fort là-dedans. Vous ne trouvez pas que c'est inquiétant? Attention, Roxane! Ah, tu fais plus le malin, hein? T'es super, Martin. Comment ça marche, ton bidule? À vrai dire, je sais pas très bien pourquoi j'ai manœuvré ce boîtier. Un réflexe du phologue, sans doute. En tout cas, tu m'as sauvée et le monstre a disparu. Ridicule, toutes ces histoires de petits bonshommes verts. Vous êtes à deux doigts de l'école buissonnière. Mais monsieur, c'est parce Allez, que... Allez, on file en classe et plus vite que ça. Toujours ce Martin, Madame Bourdon. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il a voulu entraîner ses camarades à manquer des cours. Ah bon? Et... Ça mérite le conseil de discipline. Je vais faire un rapport à Monsieur Cornichon. Et cette fois, il sera bien obligé de se prononcer. Le conseil de discipline a un peu d'indulgence pour Martin, mon bon grain de sel. Être nommé directeur est une lourde responsabilité. Et j'en sais quelque chose, tenez. Voilà, je signe. Tenez. Super. T'inquiète pas, c'est moi, Terrien. Mais désormais, je suis toi aussi. Toi? Moi? Mais je... Mais rassure-toi, maintenant tes préoccupations sont les miennes, puisque je suis toi. Et n'aie crainte, j'ai vite deviné quel est ton plus cher désir, qui est maintenant aussi mon plus cher désir. Grâce à moi, tu vas devenir directeur à la place du directeur. Et alors, j'ai été victime d'une hallucination. J'ai cru voir des choses absolument horribles, des choses que même en cauchemar, on ne voit jamais. Ne bougez plus, monsieur Kratzek. Vite, sauvons-nous. Sauvez-vous, les enfants. Allez, par ici. Écoutez, mon brave Grantzel, arrêtez ces gamineries. On n'a pas dans le placard à balai, quand même. Heureusement, j'ai mon portable. Je vais essayer d'alerter les autorités. Comment? Un monstre à l'école? Mais d'où m'appelez-vous? Du placard à balai à côté des toilettes? Oui, attendez, commissaire. Alors, il s'en passe de drôle à l'école.
Messieurs, les enfants sont tous heureusement à l'abri. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tenter de délivrer Monsieur Cornichon et Madame Bourdon, fâcheusement enfermés dans le placard à balai de l'école. Et ensuite boucler le monstre, monsieur le maire. Nos forces de police devraient facilement venir à bout. Détrompez-vous, commissaire. D'après le professeur Martin, ici présent, un extraterrestre particulièrement redoutable serait à l'origine de tout ça. C'est exact. Et pour le moment, cet extraterrestre s'est logé dans le corps de monsieur Grinsell. Oh. Grinsell, n'est-ce pas cette personne qui cherche toujours à me joindre? Je pourrais peut-être essayer de le contacter. C'est une joie de vous avoir au téléphone, monsieur l'inspecteur d'Académie. Il exige d'être nommé directeur de l'école en échange de la liberté de ses prisonniers, monsieur le maire. Eh bien, à la guerre comme à la guerre, nommez-le. Je doute que vos administrés acceptent facilement que soit nommé au poste de directeur de l'école un extraterrestre. Évidemment, c'est un peu limite. Je ne vois qu'une solution, monsieur le maire, faire place à la force. Les gars, la consigne est simple. On nous suit, on localise, on maîtrise, exécution. Hélas, monsieur le maire, il va falloir trouver autre chose. Les policiers sont coffrés, eux aussi. Venez, je crois que ça va être à nous de jouer maintenant. Ils sont super gros mots, les apprentis que tu m'as envoyés. Des as, hein, ils en savent déjà autant que moi. Et ils ont préparé toutes les commandes en cours. Ils sont où? Près du four. Et dis donc, ils sont quand même un petit peu bizarres, hein, ces oiseaux. Ils doivent venir d'un cirque, je parie. Pas exactement, non. Salut les amis, cette fois c'est nous qui avons besoin de vous. Je vois ce que c'est. Votre extraterrestre chez nous, on l'appelle un grumelon visqueux. Et c'est pas facile de se débarrasser de ça. C'est vrai, mais quand il s'incruste, difficile de les déloger. Mais à part ça, il n'y a pas plus famille que le grumelon. Écoutez, ce jeune grumelon est égaré sur la Terre. Vous autres xantariens semblez connaître beaucoup de monde dans le cosmos. Alors si vous parveniez à retrouver un de ses parents... Ça ne va pas être fastoche. Mais nous ne pouvons rien refuser à des gens qui nous ont permis de tout connaître de la confection de la pizza. Le temps de sauter dans notre soucoupe et nous allons faire notre enquête auprès de tous les grumelons de la galaxie. Au revoir. On ne peut pas compter que sur la réside de nos amis xantariens. Il faut faire quelque chose. T'as raison, Martin. Il faut tout de suite essayer de libérer Madame Bourdon et Monsieur Cornichon. Comment osez-vous venir me provoquer ici? Mais, monsieur le directeur, nous rentrons en classe maintenant que vous avez été nommé directeur. Moi? Nommé directeur? Mais on n'a rien lu. Monsieur l'inspecteur d'académie ne va pas tarder à vous l'annoncer. Vous devriez aller dans votre bureau attendre son coup de fil. Vous avez raison. Vite, le placard à balai. J'avais raison de me méfier de vous. Vite, par là. C'est moi, c'est ta maman. Je t'ai enfin retrouvé. Viens, mon petit grumelon mignon. Maman, je peux jouer encore un peu, maman? Allons, sois raisonnable, mon joli. Viens, je t'ai préparé un bon gâteau bien véreux. Bien véreux comme tu sais les faire. J'arrive. Je me demande ce que nous serions devenus si Zeste et Crouton n'avaient pas retrouvé à temps Maman Grumelon. Martin, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Ben justement, monsieur, ce que vous devriez faire, c'est vite aller délivrer Monsieur Cornichon. Oh, bon sang, le placard à balai. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. Oh, si vous saviez combien je m'en veux. Mais je n'étais pas moi-même, monsieur le directeur. C'est bien vrai, ça, monsieur Cornichon. S'il avait été dans son état normal, monsieur Grinsell n'aurait jamais voulu prendre votre place de directeur, c'est évident. C'est évident, mon bon Grinsell. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin,
s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Me rappelle quelque chose, mais... Tiens, ça alors, ce matin, je suis un valet de cœur. Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, gros mot? Ben, c'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane. Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé. Rien de vaut les jeux vidéo, moi, je te le dis. Vous avez vu ce ringard là-bas? N'écoute pas ce jaloux, Martin. Valet de cœur, ça te va très bien. Tu as un si grand cœur. Ouais, un vrai ringard. Hé, hey, gros mot, passe-moi ton jeu. Il va voir le Roméo si je suis un ringard. Waouh, tu t'en tires bien. Il se défend, le valet. Bravo, il va battre un record, c'est sûr. Confisqué, qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu, il est à gros mots. Et c'est pas de ma faute si je suis valet de cœur ce matin. Je veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement. C'était une méga super console. Moi, je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré. Hein? Dans le bureau de grain de sel? Mais t'es fou, c'est trop risqué. Chiche que je dégomme son chapeau. Encore toi. Mais pas du tout, monsieur. J'y suis pour rien. Toujours innocent, hein? Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait. Mais puisque tu es aujourd'hui valet de cœur, je pense que tu auras à cœur de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour. Et regardez-le. Pauvre Martin, tu parles d'une corvée, mais d'un autre côté... Gros mot, où vas-tu? Reste là, je reviens. Oh non. Ah, la voilà. Mais... Joli jeu, il me plaît bien. Voilà, rends-moi ça. Donne-moi mon jeu. C'est fou ce qu'on s'amuse. Prends-le-moi. Elle a pas si vite. Laissez-moi passer. Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur. Bref, je suis l'as du pays des jeux. Mais toi, qui tu es et que veux-tu, mon jeune ami? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu. Très très intéressant les faits, bien sûr je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer? Celui de nous deux qui fait le meilleur score garde le jeu pour lui, d'accord? Mais c'est pas juste, ce jeu est à moi. C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable. Elle est à prendre ou à laisser. Oh, et puis après tout, comme je suis sûr de gagner... Eh bien nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux. Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer. Le pays des jeux? Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire. On a eu de la chance, gros mot et moi, que Grain de sel ait été retenu par Monsieur Cornichon. N'empêche qu'il devrait déjà être revenu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Gros mot n'était pas seul. Regarde, on a une piste. Suivons-la, on verra bien. La piste s'arrête là et cette cave est un cul-de-sac. On n'est pas avancé là. Attends, CD, ça ne te dit rien? Non, ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard, quoi. Et donc... Oh.
endroit. Martin Valet de Cœur. L'As des As te souhaite la bienvenue au pays des jeux. Tu es ici chez toi. Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux. Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gromo. Gromo? Ah, mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi. Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu. Mais Gromo, où est Gromo? Non, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en cage et il a perdu. Ne suis-je pas l'imbattable? Tu parles, il a triché! Tricheur! Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire. Alors libère mon ami Gromo. C'est pour de rire, c'est vrai. Mais enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Au pays des jeux, on joue. Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner. Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser. Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin Valet de Cœur. Mais voyons comment tu vas te débrouiller. Mais si toi, tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner? Oh, pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu. Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard. Alors, place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie. Roxane, attention! Surprenant, non? Le coup des fausses boules. Oui, ça marche à tous les coups. Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré. Seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami. Le jeu continue. Voyons quelles cartes vous allez choisir. Les rouges, les noirs. Réfléchissez bien. Ou gare au bain forcé. Les rouges, d'accord? Super, Roxane. Eh oh. Merci, Martin. Je n'avais pas envie de faire trompette. Il est temps de rebattre les cartes. Oh oui. Il n'y a plus de rouge à porter. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester coincé là. Tant pis, on tente le coup. Ouf, plus de peur que de mal. Oui, mais impossible de remonter là-haut. Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage. Dis-moi, Martin, valet de cœur, peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée? Oh, fastoche, c'est d'avoir un chat dans la gorge. Dis-moi, Martin, valet de cœur, un pianiste a 7 filles. Chaque fille a un frère, combien d'enfants a le pianiste? Ben, 8, puisque les 7 filles ont le même frère. Ma parole, t'es incollable, Martin. Oh, j'ai pas de mérite, c'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés. Je vois. Eh bien, on va corser l'épreuve. Oh oui, oh oui. Combien font 144 que multiplie 12, Martin, valet de cœur? C'était... 1728. Ah, mais de quoi se mêle cette fille? Dis-moi, Martin, valet de cœur, quel est le plus vieil animal fossile à plumes connu? C'est... Laisse, Martin. C'est l'archéoptéryx. Ah, c'est de la triche. Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable. À mon avis, il faudrait s'en débarrasser. J'adore quand tu te mets à penser. Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante. Et moi, un copain aussi malin. Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre ami. Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin, valet de cœur. Ou toi aussi, tu iras en prison. Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule. C'est peut-être un piège. Pas question, Martin. Je viens avec toi. Écoute, ça servira à rien qu'on se retrouve tous les trois prisonniers. Puisque c'est ce que tu veux. Attention, petit valet de cœur, le temps passe. Martin, tu ferais mieux de revenir. Oh! Ah non, c'est trop bête, je suis peut-être tout prêt. Attention! Oh, quel dommage, perdu. Un instant,
Je mets ma liberté en gage si le jeu continue. Roxane, non! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve? J'ai une idée qui m'amuse follement. Allez, Martin, le jeu continue. Regarde, ton ami risque pas de trouver la clé. Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner. Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu. Ah, il va m'entendre, gros mot. Eh, j'y suis pour rien, moi. Ah, gros mot, j'ai deux mots à te dire. Tout ça est ta faute, à cause de toi et ta fichue console. De ma faute? Oh, bah, elle est bonne, celle-là. Laissez-moi tranquille, vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai partie. Allez, quand même à moi, cette console. Amuse-toi bien, mamie. Et maintenant, allons aider Martin. Et encore merci pour la balade en avion. Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi quitte ou double. Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres. Mais si tu échoues, vous resterez tous les trois mes prisonniers. T'en tires pas mal, mais augmentons un peu la difficulté. C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas? Accroche-toi, Martin. Reviens ici. Ma canne. Tu as triché, Martin, valet de cœur. On se retrouvera. C'est ça, à demain. Ben, je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console. À ta place, je me réjouirais pas trop vite. J'oublie grain de sel qui... je crois bien que le voilà. Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau et à la disparition de la console de jeu. Si je le retrouve... Ouf, il s'en est fallu de peu. Bon plan maintenant, on retourne en classe. La journée n'est pas finie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins c'est la même chose.